Stop. Arrêtez ce générique. Stop. C'est pas bon. Stop. Bon. Ça y est. On reprend. Et ce coup-ci, on reprend comme il faut. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de La V-Ville. Et oui, La V-Ville, on commence la saison 4 aujourd'hui. Ouais. Et en même temps, Towns, c'est un peu en bêta, on a fait un petit peu tout ce qu'on a fait. Non, c'est en alpha, je ne sais plus si ça doit être passé en bêta. Le jeu a avancé, j'aime pas vraiment où il va. Bah, pour moi, c'est devenu un peu moins intéressant, un peu plus compliqué. Et je trouve qu'on a déjà fait un peu le tour et donc du coup, bah pourquoi ne pas commencer No Moria. Pourquoi pas? Bien, commençons tout de suite The Chain Tulip. C'est mignon. Ouais, ça non. The Priest Kingdom, c'est pas mal. Non. Ouais. Non plus. Non. Ouais. King of Size, Standard, Difficulty. Normal, on verra bien ce que ça va donner plus tard. Alors, flat tall, ouais, smooth bumpy, plutôt smooth, si on peut smoother un petit peu, voilà. Des grandes, oui, metal dev, on va dire shallow, pour aller un peu plus vite, abundant, normal. Attack rate 1, how often enemy attack, 0.5, attack size 0.5, enemy strength 0.5. Increase... Non. Kingdom Seed, oui, très bien. Non, Kingdom Seed, 578. Generate. Et donc, on va pouvoir commencer, juste là, maintenant, la saison 4 de la V-Ville. Donc, je ne sais pas encore exactement... Enfin, j'y ai joué un petit peu, forcément, enfin, ça... Ça, c'est évident. Mais j'ai joué tellement peu qu'en fait, je dois bien dire que je me souviens plus très bien comment on y joue. On va bien voir. Mais c'est vrai que c'est pas le plus évident dans lequel je me lance présentement. Mais on devrait s'en sortir quand même. C'est un peu le même principe que Towns, sauf que c'est pas des Vitoyens, c'est des Gnomes. Vachement difficile à dire. Des gnomes. Hop. Vas-y. Pose donc les liquides. Enfin, pose. Traduction abusive, mais vous aurez peut-être compris. Donc j'ai l'impression qu'il y a une méga colline juste à l'entrée. Non. Zoom dans le mauvais sens. Il est 7h22 sur le premier jour. Le monde est assez grand. J'ai déjà paumé mes gnomes. Il y a de l'eau ici. C'est, je sais. Dirt, floor, wine, strawberry, machin. Birch tree, très bien. Apple tree, ça c'est excellent. Bon. Le truc qui serait cool, c'est que je dépomme. Où sont donc mes gens? Ah, voilà. Ils sont en bordel ici. Et c'est vrai que là, je joue sur les différentes hauteurs. Là, on voit, je pense, les cheveux d'un. Exact. Donc, la première chose qu'on peut faire, designate area, build, agriculture, terrain, deconstruct, remove designation, cancel job. Designated area, stockpile. Donc, on va commencer par faire... une première stockpile ici. On va stockpiler des goods, des furniture, des mécanismes et des tools. Voilà. On va faire... C'est quoi ça? Clay floor. Donc ça m'a l'air cool.
cool, ça sera sûrement super utile un moment plus tard. Ok. Donc. Ok. Ça c'est bien ça. Mind dig. Alors ça, qu'est-ce que je peux faire dessus? Pas grand chose. Agriculture, rien. Build non plus. Designated area non plus. Déconstruit. Ok, donc la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va se tenter un truc. Est-ce que je ne peux pas me faire un petit trou par ici? Déjà, tu sauvegardes. Ok. Est-ce que par hasard... Donc déjà, vous allez bouger tous les machins qu'on a. Et on repasse en pause. Et du coup, ici, on va commencer à persouiller des trucs pour faire une petite maison si j'arrive à faire ce que je veux. Donc pourquoi ne pas leur faire un dortoir ici, par exemple? Voilà. Et tout de suite, on va commencer à faire de la agriculture. Parce que sinon, on va avoir des, je pense, gros problèmes techniques. Donc, farm. Est-ce que je peux te demander de faire... Ferme, machin, machin, machin. Parfait. Crop, strawberry, wheat. Eh bien, wheat. Nickel. Donc c'est sélectionné. Donc ils vont peut-être planter ça comme il faut ici. Et eux, là, ils font du bazar. Donc ça, c'est très bien. Ils ont fait du bazar ici. Built, workshop. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Non, bah pas un workshop, ça serait pas cool. Storage, non. Furniture, door. Est-ce qu'on pourrait créer une wooden door? Non, parce que forcément, j'ai pas du tout ce qu'il faut pour la créer. Hop. Alors ça, je peux voir ma stockpile. Ah si, là donc ils sont en train de faire ma ferme à blé. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va percer un deuxième petit trou. Mine, wall. On va donc percer ici. En se disant que ça serait cool de ne pas avoir le temps d'abandonner le truc. Et... Ah! Il pleut. Oula, mais c'est de la méga pluie, dis donc. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une stockpile ici. De tout. Voilà. Et j'espère qu'ils peuvent faire des tas avec les différents matériaux qu'ils ont, parce que ça serait quand même pas cool sinon. Alors ça, on a quoi ici? Dirt floor. Donc ça, on s'en fout un petit peu. Ça, c'est en train de pousser. C'est ça, c'est en train de pousser. Là, c'est cool. Ils amènent tout ici. Donc ça, on va pouvoir le transformer, si j'y arrive, en dortoir. Ah, clic. Voilà, donc ça, c'est un dortoir commun pour tout le monde. Et donc, qu'est-ce qu'on va pouvoir se faire? On va pouvoir se faire un petit atelier derrière. J'espère que le truc ne va pas me déboîter mes gnomes. Ça n'a pas l'air, donc c'est cool. Donc déjà, on va agrandir ça. Et on va faire un petit atelier ici. Voilà. Percer donc tout ça. Et je pense que je fais absolument pas du tout ce qu'il faut. Il va falloir que je fasse extrêmement vite quelque chose pour faire à se boire. Donc ce qu'on va faire, c'est agriculture, ferme. On va faire une ferme à strawberry, puis une ferme à fraises. Parce que je pense que je dois pouvoir faire du pinard de fraises. Et ça, ça serait cool. Donc ici, qu'est-ce que je vais faire? Designated area, workshop. Farm, pasteur, grove, personal quarters, non, non, dining room, non, 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 build, workshop,
Wood, sawmill, faut 10 logs et 10 stones, c'est ça? C'est ça, donc il va falloir que je commence à aller chercher des logs et des stones. Donc, toi, pine tree. Ah, je ne peux pas le couper comme ça, ok. Terrain. Native area. Si j'en fais un grove, est-ce qu'ils vont... Ah, mais ça... Tata. Grove, c'est donc... C'est, si je ne me trompe pas et que je me rappelle bien, c'est une zone pour les... Voilà, can't be clipped 7. Nickel. C'est bien ça. Donc, normalement, là, il devrait me couper les arbres. Yes! Il me coupe les arbres. Le soleil s'est couché. Il pleut toujours, abominablement. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un deuxième truc à arbres derrière ici. Je pense que ça va m'être très utile. C'est pas du plus supra-trivial. Non, en fait, je... Hop, j'ai planté des arbres. Normalement, ça devrait être cool. Donc, du coup, ça c'est fait, ça c'est bon, ça c'est bon. Comment va mon royaume? 8 de ferme. Ok, workshop, j'en ai pas du tout. World scene, machin. Worth, 483. Fin, pasture. Ouais. Ça va, pour le moment, mon truc, il vaut grave rien. Ce qu'on va pouvoir faire, c'est qu'on va se tenter ici de descendre. Stairs down. Ok, donc il faut que je me fasse l'étage d'en dessous. Si j'appuie ça ici, est-ce que ça fonctionne? Non, c'est pas gagné du tout. Il fallait peut-être d'abord que je demande de percer vers en dessous. Remove floor and main section below into stairs. Hop, cancel job. Ça. On remonte. Terrain. Ah. Ding. Stairs down. Donc, ici. Touk. Voilà. Donc, c'est encore de la dirt. Donc, on se refait la même. Le soleil... Ah non, j'ai eu peur que le soleil soit en train de se lever, mais j'en ai pas l'impression. Non, là, j'ai des machins qui sont stockés ici. C'est cool. J'ai 64 de bouffe. J'ai 11 de zaboir. Donc, ça va commencer à devenir sgritique sur le zaboir. Il va falloir que je fasse bientôt un coin à se zaboiriser. Est-ce que je peux construire quelque chose qui me permette de boire ? Food, drink. Ça c'est bien. 4 blocs. Cut in a stone cutters. Ok. Il me faut un sawmill et un stone cutters. Mais pour le stone cutters, il me faudrait de la stone. Dig. Ah oui, non. Ouf. Fell asleep on the floor. J'avais cru qu'il s'était... qu'il était tombé dans les escaliers que j'étais en train de construire. Mais non. Hop, je suis en train de construire une mine à la Minecraft. Enfin, la Minecraft, n'exagérons. Ah, de la stone ici. Ah oui, moi je me suis un peu enfoncé dans tout ça. Bon, on va les faire creuser, hein. Après, j'espère que je ne vais pas creuser trop profondément et... et rencontrer un balrog ou un truc comme ça, mais ça on verra. Ah bah c'est bien, il y a plein de stones maintenant. On va peut-être annuler un petit peu quand même les...
Hop, hop, hop. Depth. Hop. Donc un. On va en construire encore un de plus. Voilà. Et donc on va miner autour de tout ça. Mine, mine, wall. Je propose qu'on mine tout ça. On va bien voir ce que ça va donner. Il est 2h du mat et il y a forcément un gnome qui va venir miner tout ça parce qu'ils sont cool. Hop. Ah. Donc c'est bas. Hein. Ah non, bah il... Non. Il est reparti. On va peut-être accélérer le temps un petit peu. La musique version 8 bits est vraiment, vraiment pas mauvaise en tout cas. Même plutôt très sympathique. Yay! Du caillou! Bon après je sais pas si j'ai du vrai caillou. Enfin, en même temps je ne vois pas comment ils ont construit des escaliers en caillou sans miner précédemment de cailloux. Bon, c'est pas grave. C'est sûrement une autre histoire. Hop, voilà. Donc on va faire un peu de caillou ici. Et on va voir pour construire un sawmill et un woodcutter. Voilà, parce que là j'ai un peu de caillou, c'est ça? Raw marble. Est-ce que je peux utiliser ça comme caillou ou pas? Ou est-ce que c'est juste du schmarbre? Build workshop. Wood, sawmill, any log, any rawstone, nickel. On va construire un sawmill ici. Ah, the rain has stopped. Ça, c'est cool. Donc, on va l'agrandir, lui, forcément, du coup, ici, pour se faire juste derrière, si on a assez de ce qu'il faut, un stone cutter. Build, workshop, stone, stone cutter, any log, any raw stone, touk. Voilà. Donc il n'y a plus qu'à attendre. Eh bien, qui construit ça? Je pense que c'est une super fin de juste attendre qu'il construise ça pour finir cet épisode. Et je crois que j'ai pas assez d'arbres en fait. Nickel. Hop. Et donc là, normalement, il devrait me le faire. Ah, je sais pas ce qu'il y a dedans. C'est pas très pratique ça. Voilà, il amène du bois. Ah, lui, il a un... il y a des petits bugs de pass-feeling encore. Hein. C'est pas super optimal comme il faut. Donc, ils amènent le bois qu'il faut ici. Est-ce qu'ils ont déjà amené la pierre? J'ai pas fait attention précédemment. Mais c'est possible. Du bois... Il y a de moins en moins de bouffe et de moins en moins de à manger. Donc ça, est-ce qu'il y a... je crois qu'il va falloir que j'agrandisse mes fermes assez rapidement. Il va leur falloir 2 jours pour ramener du bois. Allez, plus vite. Là, on voit déjà qu'il y a quand même pas mal plus de trucs de que towns à prendre en compte et à voir... Et aussi, il y a vachement plus de micromanagement. Ah, ils sont en train d'amener le caillou. On va peut-être s'agrandir une ferme quelque part par ici. Agriculture, ferme. On va déjà s'agrandir ça ici. On va demander du wheat. Hop. Et aussi, est-ce qu'il serait pas plus logique, parce que là, il ne travaille que à 2. Ce serait pas vachement plus logique que les vitoyens
Et est-ce qu'il ne travaillerait pas à beaucoup moins à chaque fois de manière vachement plus logique? Ici, est-ce qu'il replante automatiquement? Cut clipping, ouais. Ouais, plant sapling. Donc normalement, il devrait... Oh yeah! Un sawmill est construit. Et un workshop. Donc l'autre est en train d'être... Et l'autre est construit. Et bah, c'est un super fin d'épisode, de premier épisode. Donc maintenant, qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que c'est... Enfin, pour moi, c'est plus intéressant à faire que le Towns. Donc maintenant, la grande question, c'est... Est-ce que c'est plus intéressant à regarder aussi? Et là-dessus, bonne journée, bonne soirée, bon après-midi, tout ça. Et à bientôt pour un nouvel épisode de Towns. Salut!